été arrêté le 23 mars 1943 par des policiers français de la brigade spéciale de la préfecture de police. Ce sont deux inspecteurs qui sont rentrés dans mon domicile clandestin. L'un avait l'arme au poing et j'étais arrêtée. Et on a fouillé, on a fouillé dans la planque, on a trouvé des tracts, des documents, voilà, tout ça, ça volait en l'air. Et on m'a emmenée au commissariat rue du Surmelin, qui n'était pas très loin de l'adresse où j'habitais. J'avais des sous-vêtements, une jupe, un chemisier, un gilet et un manteau beige avec des fronces dans le dos. Je spécifie, c'est quand ils m'ont filé, c'était spécifié des fronces dans le dos. Alors, je le dis. Donc, je suis au commissariat rue du Surmelin et au bout d'un certain temps, on nous amène à la préfecture de police. Après être revenu d'un passage à tabac, il y a une jeune femme, une dame qui s'est approchée de moi, qui a vu dans quel état j'étais. Elle m'a dit, mais demandez à voir un médecin. Donc, j'ai demandé à voir un médecin. Deux flics m'ont emmené à l'Hôtel Dieu, à la consultation. Et j'ai dit au médecin, dans son cabinet, il a fait sortir les deux inspecteurs. Je lui ai dit, écoutez, sauvez-moi. Je suis juive et terroriste, disent-ils. Il a dit, je vous hospitalise tout de suite. Et il dit un diagnostic, il appelle les deux flics, il dit, je la garde, cette jeune femme, elle a une salpingite aiguë. Alors on m'envoie à l'hôpital Rothschild. À Rothschild, il y a tout un espace énorme qui est un camp d'internement, gardé par des inspecteurs français. Je suis sortie le 18 mai 1943, et je me suis retrouvée à Drancy, avec ma jupe, mon chemisier, mon gilet. Parce qu'à l'hôpital, pendant mon séjour, on m'a enlevé tout. Je portais la chemise en coton de l'hôpital et une espèce de peignoir en coton. Voilà. J'avais une petite chevalière. Je l'ai laissée à une infirmière, dont je ne sais pas le nom. Je lui ai dit, si après la guerre, vous retrouvez mes parents qui habitaient 14 de vos couleurs, vous donnerez à maman cette chevalière. Je suis rentrée déportation, ma mère l'avait. Les adultes de l'extérieur savaient que nous avons été arrêtés, voilà, tel qu'on était. Donc, on envoyait des petites valises. Il y avait un pull vert, ça je suis sûre. Il y avait quelques sous-vêtements. Et je crois, en tout cas, un billet d'argent. Je ne sais pas le montant, je vais dire, je crois que c'était 50 francs, mais je ne suis pas sûre. Voilà, de l'argent. Et des chaussettes, et une petite valise. Ça a été mon bagage à la déportation. Donc le 22 juin, il y a un appel, et on lit la liste des partants, où c'est le 21 ou le 22, enfin c'est avant, puisque nous sommes partis le 23. Des partants du prochain transport. Une fois que la liste a été nommée, que les gens se sont mis de côté, on est passé à un contrôle à la fouille. Alors là, ont été pris, je ne parle pas de nous, mais à tout le monde et à nous aussi, une lime à ongles, un petit couteau, un canif, des ciseaux, tout ce qui pourrait servir à soulever les planches du wagon et s'évader. Et l'argent. Et on m'a donné un reçu équivalent en zloty. C'est tout.
Le matin, donc, les autobus arrivent les uns derrière les autres. Nous, notre souci, c'est de rester ensemble. Voilà. En tout cas, pour moi, ça a été un souci constant, ne pas être séparé des miens. Il n'y avait pas de fouille avant de monter en Non. wagon. Mais il y avait un train, déjà, qui nous attendait. Il y avait et des Allemands et des gendarmes français. Je sais que nous, on s'est regroupés en rentrant dans le coin. On a été quand même sur la séparés, on n'était pas tous dans le même wagon. Mais les plus proches étaient ensemble. On était très serrés. Je ne sais pas combien on était. On était très serrés. Il y a eu une tentative d'évasion dans un wagon. Il y a eu des coups de feu, ça, nous on s'en souvient, qui ont été tirés, mais on ne savait pas pourquoi. Et l'ordre a été donné que tous les hommes enlèvent leurs chaussures. Donc après qu'on ait enlevé les chaussures des hommes, on ferme les portes. Il commence à faire chaud. Il n'y a plus d'eau au bout d'un moment. Ça commence à. Il y a des gens qui ont besoin de se soulager. Ça commence, une odeur commence à flotter qui est assez désagréable. Ça a commencé à se chamailler dans le wagon. Et c'est vrai. On a essayé de se resserrer un peu pour que au moins les petits vieux puissent allonger les jambes un peu plus. On ne pouvait pas s'allonger, on était les uns dans les autres. 2 jours et une nuit. Des hurlements dans une langue qu'on ne comprend pas. Des chiens qui sont tenus en laisse, mais qui tirent sur la laisse et qui aboient. Et los, los, schnell, raus, raus, raus. Et des coups qui pleuvent, parce que on l'a non plus, on n'est pas dans une gare. Donc il faut sauter. Nous, les jeunes, on saute. Il faut aider les vieux à les descendre du train. Alors ils sont assommés par des coups de bâton tout de suite. Il faut laisser tout sur place. Mon sac avec mon reçu. Tout sur place. Et les hommes avec les chaussures. Tout sur place. Et ça, c'est une rapidité. Il n'y a pas le temps de réfléchir quoi que ce soit. Quand on fait sauter les gens, il y a une petite voiture de la Croix-Rouge et puis il y a un camion avec un escalier en bois. Et on invite les vieux, les femmes avec les enfants, avec les bébés, les petits-enfants, les vieux, ceux qui sont fatigués, ceux qui veulent prendre. On les accompagne. Je dois dire qu'on a même pensé à un moment que c'est vachement sympa. Et on arrive, le portail, hein, Arbeitsmarktfrei, on rentre dans le camp. Alors, on nous amène au bout du camp dans une grande salle. Et on nous dépouille de tout. Bon, après, il y a eu les sélections et on en a perdu. En tout cas, de notre groupe, il n'y en a que 6 qui sont revenus.